Salut, c'est mon dernier jour, je vous ai pas parlé, alors j'en étais restée à la cabane, la super cabane où j'ai rencontré Pauline. Pour revenir à la cabane, eh ben c'était le paradis visuel, mais pour dormir on a eu super froid. C'était quand même à 1205 mètres d'altitude Bon, parce que le soleil avait pas mal tapé dans la cabane, donc il faisait bon quand on est arrivé. Mais dès qu'il a fait nuit, hop, je regarde le GR. Dès qu'il a fait nuit, eh ben, le froid est très vite arrivé et il a fait très froid. Voilà. On n'a pas hyper bien dormi, mais on a dormi. Et surtout aussi, il y avait des souris ou une souris qui ont. Oh, ça fait du bruit là! Une souris qui a gratouillé dans des poubelles que des gens avaient laissées à l'extérieur, ce qu'il ne faut absolument pas faire, bien évidemment. Et moi, qui avais laissé mon sac avec du pain à l'intérieur sur le banc, dans la pièce, là, la grande pièce. Et voilà, bah, la souris est venue grignoter mon pain. Bon, peu importe. Ça faisait un peu de bruit de plastique. Mais bon. Et d'ailleurs, j'ai marché avec Pauline... le jour 7, vraiment une super, super jeune fille qui est repartie, elle va beaucoup plus loin. Moi j'arrête aujourd'hui, hier, après toute la descente de la cabane, on va dire, jusqu'à Florac, est plutôt sympathique, il y a beaucoup de forêts, on est un peu en bordure de montagne. Et après, il y a une descente relativement difficile. Alors, on a pris le GR68 et pas 70 pour éviter les portions de route. Et le GR68 est très joli, mais ça descend sec et dans les cailloux. Voilà, pour ceux qui voudraient faire soit de la route, soit des cailloux. On a fait 18 km à peu près. Arrivé à Florac, on s'est fait plaisir, on a mangé... un steak, des frites, et puis on a retrouvé des gens que j'avais, un couple, Kader et Laetitia, que j'avais rencontré à La Vérune dans un gîte à Florac. On a dormi dans un super camping, écolo et vraiment super mignon. L'après-midi on s'est baigné dans le Tarnon. C'est vraiment... Moi, ça, c'est des moments de bonheur, hein, vraiment. Là, je m'en vais sur Cassagnas. C'est la fin. Voilà. Il y a 15 km. Et normalement, au bout, ce soir, Philippe, mon mari, va venir me récupérer. Parce que lui, il ira faire du vélo demain. Et moi, je vais buller. Voilà. Je vous laisse pour le moment. Peut-être à plus tard. Mmh.